Pour ceux qui se souviennent, la semaine dernière, nous avons reçu quelques visiteurs des États-Unis, entre eux un de nos partenaires qui soutient financièrement notre ministère. Vous savez qu'avant qu'il soit arrivé, il avait même du mal à marcher. Il ne pouvait même pas. Il a dit que pendant les premiers mois de l'année, de janvier à mars, il a même utilisé le mot paralysé. C'était peut-être une petite exagération, mais il avait vraiment du mal à se tenir debout et même marcher. Pourtant, pendant la semaine qu'il était avec nous, on a parcouru la ville de Paris à pied. Et bon, parfois, il devait s'asseoir parce qu'il ressentait encore un peu de douleur. Mais il a dit, c'est un véritable miracle ce que je vis ici, parce que je n'aurais jamais pu faire ça il y a une semaine. Amen. Je suis convaincu, mes amis, que la culture d'honneur libère le miraculeux. Libère le miraculeux. Et vous voyez, je sais que tu dois avoir la même expérience que moi lorsque je lis les évangiles et je vois la vie de Jésus. Et un malade se présente devant notre Seigneur et Jésus dit, mais lève-toi et marche. Et tout d'un coup, le gars se lève. Je dis, waouh, ça semble si facile, si facile. Pourquoi alors pour nous, ce n'est pas aussi facile? Amen. Combien vous êtes nés de nouveau? Lève la main. Combien vous avez Jésus à l'intérieur? Combien vous savez prier au nom de Jésus? Combien vous croyez que Jésus veut glorifier son nom? Alors pourquoi les miracles ne sont pas aussi faciles pour nous que pour lui? Quelque part dans ma tête, ce n'est pas très logique. On fait des séminaires, on fait des écoles, on fait tant de choses pour que les chrétiens apprennent prier la prière de guérison. Je dis pourtant, Jésus, une fois, il envoie ses disciples, deux par deux. Et là où ils sont allés, ils faisaient des miracles comme Jésus a fait. Il semblerait avec autant de facilité. Je dis, Seigneur, pourtant nous faisons des écoles, nous donnons même des diplômes. Tu as fait l'école de guérison. Voici ton diplôme. Combien de gens t'as guéri? Personne pour l'instant, mais bon, j'y crois toujours. Je suis fortement dans un développement de conviction, je vais le dire comme ça. Je ne suis pas encore arrivé à la conclusion, mais je suis dans ce développement. Qu'une des raisons pour laquelle Jésus voyait tant de miracles, c'est parce qu'il vivait dans une, pas une boule, mais parce qu'il était véritablement dans le monde. Mais il est venu du ciel. Il a marché dans la foi, comme toi et moi. Il n'a pas marché dans sa divinité. D'accord. Il n'a pas exercé sa divinité pour guérir. Il a simplement exercé la foi, la même foi que vous et moi nous avons. Il nous a montré ce que nous pouvons faire en son nom. Hello. Ressusciter des morts. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars qui est missionnaire au Mexique, qui a ressuscité une trentaine de morts. Pas d'un coup, mais au fil de son ministère, une trentaine de morts. Ressuscité. Alléluia. Amen. C'est une chose, mes amis, c'est vrai que peut-être en France, on voit si peu, que à force de voir si peu, on n'y croit plus. On a du mal à croire. Il y a des miracles partout. Alléluia. Amen. Nous avons vu quelques miracles dans notre assemblée et pour lesquels j'en suis très reconnaissant. C'est juste que je suis un petit peu gourmand. Je veux voir plus. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais merci Seigneur encore plus pour ce qu'il fera. Et ce genre de témoignage, à force de vivre avec vous quelques jours, je me sens déjà mieux. Ah, mais c'est quoi ça? Tu vois, on n'a même pas prié pour lui, on n'a même pas imposé les mains. On a simplement montré l'honneur. On a enlevé le poids du déshonneur. Alléluia, vous êtes toujours avec moi. On a neutralisé les aspects toxiques de son environnement spirituel. Hello. Et à force de neutraliser les toxins, les toxines,
que Dieu vous donne le don de parler, de l'interprétation des langues. De toute façon, mon français, c'est le mien. Vous ne pouvez pas le piquer, d'accord? C'est le mien. C'est pour ça qu'on appelle le dictionnaire le petit Robert, d'accord? Ça me donne le droit. Alléluia. Je suis vraiment convaincu que nous vivons quelque chose qui est comme le marais qui arrive. Parfois, quand on est au bord de la mer, le marais, le montée des eaux, il arrive si doucement qu'on ne se rend pas compte jusqu'à ce que nos pieds sont dans l'eau. Je crois que nous vivons un temps, mes amis, là où Dieu restaure une culture d'honneur à son peuple. Et de plus en plus que nous marchons dans l'honneur, nous neutralisons les effets du diable, le doute, l'incrédulité, la peur. Et tout ça, ça libère la foi, pour que la foi puisse courir sans encombrement. Souvent pour les chrétiens, je vois que leur plus grand problème n'est pas manque de foi, mais c'est la présence de peur. Moi, je te dis, si tu as eu suffisamment de foi pour te convertir, pour venir à Jésus, pour venir au culte ce matin, alléluia, tu as assez de foi pour marcher dans les miracles. Amen. Parce que la puissance divine n'est pas différente. Et je crois que Jésus qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement, il fait les mêmes œuvres aujourd'hui, hier et éternellement. Qu'aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, avant que le jugement final arrive, l'Évangile aura besoin de pas de preuve, parce que cette preuve dont nous avons besoin pour notre salut, c'est la résurrection de Jésus. Mais nous donnons évidence à la résurrection par les miracles. Pas preuve, mais évidence. Nous montrons à un monde, c'est un petit peu comme quand tu regardes à travers une fenêtre et tu vois les arbres qui se penchent comme ça et tu vois les feuilles de l'arbre qui sont poussées par quelque chose d'invisible qui s'appelle le vent. Tu vois, le fait de voir les feuilles de l'arbre bouger, ce n'est pas preuve qu'il y a du vent, c'est de l'évidence. C'est une évidence matérielle qu'il y a du vent. Et tu peux faire un constat, il y a du vent. Pourquoi? Parce que je vois les feuilles bouger. Ok? Dans le même sens, les miracles, mes amis, donnent aux non-croyants cette évidence que Dieu est à l'œuvre. Un Dieu invisible. Un Dieu qu'on ne peut pas toucher, ni mettre dans un laboratoire. Mais lorsqu'il y a un miracle, une guérison, une délivrance, une restauration de cœur, lorsque Dieu agit de cette manière-là, ça crie aux non-croyants, Dieu est à l'œuvre. Il est en vie. Alléluia. Notre Dieu n'est pas mort. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu n'est pas mort. Plus que nous voyons restaurer la culture d'honneur, plus que nous verrons les miracles. J'en suis convaincu. Convaincu. Regardez 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Et on va prendre à partir de verset 1. Et juste écoutez un petit peu le langage d'honneur. Le langage d'honneur. Ne réprimande pas rudement le vieillard ou un monsieur âgé, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui sont véritables veuves et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-le ces choses afin qu'elle soit irréprochable. »
Alors, ça, c'est un langage d'amour. Et en fait, l'apôtre Paul est en train de donner à son fils Timothée, son fils spirituel, quelques règles qui gèrent les foyers, qui gèrent les familles. Et ce qui est extraordinaire, vous pouvez, en quelque sorte, réduire toute son exhortation dans une loi, la loi de l'honneur. Il parle à son fils, qui en lui-même était un apôtre, Timothée. L'apôtre Paul qui parle à l'apôtre Timothée, il dit, « Ok, les hommes qui sont plus âgés que toi, exhorte-les comme des pères. Les hommes plus jeunes, comme des frères. Des femmes plus âgées, comme des mamans. Et des femmes plus jeunes, comme des sœurs, en toute pureté. » Franchement, j'aurais cru qu'il a déjà vu notre société aujourd'hui. Parce qu'obsédé, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui nous obsèdent dans notre culture aujourd'hui. Déjà, cette notion du sexe et de l'image, une image fausse, une image truquée, qui est là pour, dans un esprit de séduction. Ça, c'est l'un des grands mensonges. La séduction. Et que la femme n'est simplement un objet de séduction. Mais il y a un autre mensonge qui va avec. C'est que la femme n'est pas différente qu'un homme, elle est égale à l'homme. Et le problème avec ces deux mensonges, c'est que tous les deux proviennent de l'enfer. Et les deux mensonges qui courent côte à côte dans notre société travaillent en sorte d'enlever de la femme sa dignité et l'honneur dont elle est créée par Dieu pour marcher dedans. La femme est créée pour l'honneur. La femme est créée pour être chérie. Mais ça, vous me regardez comme si je parle chinois. Je ne sais pas si c'est vraiment pour moi de parler de ce qui est une femme, parce que j'avoue, je n'étais jamais une femme. Notre pasteur, ok, il est sympa, mais qu'est-ce qu'il peut savoir de la vie d'une femme? Pas grand-chose. Ok? Mais bon, j'ai épousé une femme. C'est mieux. Et Dieu m'a donné deux filles. Je suis un homme comblé. Alléluia. Et même nous avons une troisième jeune femme, Laura, qui vit dans notre maison. Donc, je vis dans un dortoir de femmes. Et j'ai passé quasiment ma vie d'adulte à essayer de comprendre les femmes. Les hommes disent, « Oh, Pasteur Robert, donne-nous le secret. » Voici le secret, messieurs. C'est impossible à comprendre. C'est juste à accepter, d'accord? Pas à comprendre. Non, parce qu'on est différents. Vous vous rendez compte? La plupart de notre travail dans le conseil conjugal consiste à expliquer au monsieur qu'il ne comprend rien de sa femme et d'expliquer à madame qu'elle ne comprend rien de son mari. Qu'ils sont différents l'un de l'autre. Mes amis, ça marche complètement au contre-courant de ce mensonge dans le monde qui dit que non, on est égal. On n'est pas égal. Il y a des choses, mesdames, que vous faites que je ne pourrais jamais faire, qui sont pour moi, mais un véritable mystère. Mais vraiment, concevoir la vie, porter la vie dans le ventre, allaiter, mais... je sais, pour vous, mesdames, c'est mon dame, mais pour moi, je dis, mais c'est ma tête n'arrive pas à comprendre. Quand j'ai regardé Catherine qui passait par toutes les transformations pendant... Oui, ok, je parle comme un barbare, mais excusez-moi. Mais il n'y avait pas un seul jour qui ne passait sans que je sois dans l'émerveillement. J'ai dit, Seigneur, que ton œuvre est grande. Pourquoi la femme cherche à être égale à moi?
Je perds mes cheveux. Je dois me raser la face tous les jours. Vous voulez vivre comme moi quand même, mesdames? Tu vois, pour moi, ça fait partie de cet esprit insensé dans le monde. Nous devons célébrer nos différences. Maintenant, je comprends, dans le milieu de travail, écoutez-moi, je veux rester pasteur et pas me pencher dans le domaine qui ne m'appartient pas. Mais pour moi, on ne rémunérait pas l'ouvrier, on rémunère le travail. Vous voyez la différence? Ok, s'il y a deux personnes qui font le même travail avec les mêmes résultats, ils doivent toucher le même salaire. Que ce soit un homme, une femme, que ce soit un blanc, un noir, que ce soit un diplômé avec bac plus 21, ou que ce soit quelqu'un qui n'a même pas fini le collège. Mais si un travail est fait aussi bien par les deux, amen, le travail doit être rémunéré de la même façon, à l'égalité. La seule égalité qui existe dans la Bible, on est égal dans le travail. C'était le commandement sur le Shabbat, l'un des 10 commandements que Dieu a donné à son peuple après l'exode d'Égypte. Il a fait sortir 3 millions d'esclaves d'Égypte qui étaient esclaves pendant 300 ans. Et l'un des commandements que Dieu leur a donné, c'était le commandement du travail. Vous travaillerez 6 jours et le 7e jour, vous vous reposerez. Vous et les étrangers parmi vous, les Hébreux et même ceux qui n'étaient pas encore couverts par l'alliance de Dieu, tout le monde devait se reposer le 7e jour. On est égal dans le travail et égal dans le repos. Et l'idée, cette idée n'est pas venue de l'homme. L'idée est venue de Dieu. Dieu est celui qui a donné la première loi du travail. Hallelujah. Il est top, notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et quand vous si vous comptez tous les jours de repos dans une année, parce que tous les 7 ans, tout le monde devait reposer un an complet. C'était l'année sabbatique. OK? Un jour par semaine et un an par tous les 7 ans. Et plus l'année de jubilé, qui était le 50e année. Tu as le 49e année, Shabbat, toute l'année, et le 50e année, Shabbat. 2 ans de repos, vacances. OK. Tout le monde, à l'époque en Israël, dans l'Ancien Testament, devait vivre au moins, pour vivre une jubilée dans sa vie. J'ai fait le calcul avec tous les Shabbats spéciaux dans les fêtes bibliques. Ça revient à 2 jours et demi par semaine. L'équivalent dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un adulte qui vit à le temps normal, 2 jours et demi. Et l'un pense qu'en donnant un week-end, il était plus intelligent que Dieu. Donc déjà Dieu, dans sa parole, a donné 2 jours et demi. Mais les autres jours, il fallait bosser. Mais quand il fallait fêter, il fallait fêter. C'est-à-dire tout simplement, mes amis, je ne veux pas m'éloigner trop de notre thème d'aujourd'hui, c'est juste que Dieu, il est intelligent. Okay, c'est un petit peu débile de le dire, parce que nous le croyons, mais le monde, la femme n'est pas plus heureuse aujourd'hui. Elle gagne peut-être plus d'argent, mais elle n'est pas plus heureuse. Ce que moi je propose, c'est qu'on vienne à Dieu. Pas dans un vieux modèle qui n'a pas marché dans les Moyen-Âge. Je ne parle pas de ça. Je dis, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la culture d'honneur, là où la femme est véritablement honorée. Quant au travail, l'homme doit travailler, la femme peut travailler. C'est là la différence. Quand tu lis Proverbe 31 qui parle de la femme, elle est bosseuse en Proverbe 31. Amen. Elle bosse, elle gagne de l'argent, elle rend prospère sa famille. Mais ça, c'est une joie pour elle. Pour l'homme, c'est un devoir. Il est écrit dans le Nouveau Testament que si un homme ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Il n'est pas dit pour la femme. Hello. Et tous les hommes disent Amen.
Donc, ça égale chômage pour les femmes, mais pas chômage pour les hommes? Non, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Alléluia. Mais mes amis, il faut absolument détruire cette image de séduction. Amen. Dieu, il est beau. La sainteté est belle. Dans le pentecôtisme traditionnel, on a interdit à la femme de se maquiller, de couper ses cheveux, de s'habiller d'une façon pour montrer sa beauté. Et je dis, quel affreux scandale! Quelle mauvaise interprétation de la parole de Dieu! Regarde comment Dieu il a pavé ses rues célestes. Il les a pavées d'or. Pas de goudron. Regarde sa couronne. Ornée de pierres précieuses. Pas juste d'aluminium. De plastique. Dieu n'a pas cherché à économiser un peu d'argent lorsqu'il a construit son trône. Hello. Ce n'est pas maquillage pour maquillage, c'est le fait, mesdames, vous avez reçu de Dieu, lorsque Dieu a créé l'humanité, okay, il s'est mis dans l'humanité, dans l'homme, dans la femme. Il a mis son image en eux, pas en lui, mais en eux. La femme est autant le reflet de Dieu que l'homme. Et au lieu de, mesdames, au lieu de regarder l'homme pour être plus comme lui, regarde à Dieu pour être plus comme lui. Et lui va restaurer la vraie fémininité. Lui va restaurer le vrai cœur de femme et la vraie beauté de la femme. Comme Pierre, il a dit, en 1 Pierre chapitre 3, il a dit que la vraie beauté n'est pas à l'extérieur, mais la vraie beauté est de l'intérieur. La séduction, c'est lorsque on est mort à l'intérieur, mais on s'habille pour attirer à soi. Mais la femme qui a le cœur restauré, qui a une âme complètement guérie, comblée en Dieu, alléluia, qui est comblée en elle-même, qui n'a pas besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour enrichir sa vie. Elle est entière, alléluia, elle est complète, elle est satisfaite. Elle est satisfaite dans son Dieu. Voici une femme qui dégage une beauté qui est absolument extraordinaire, qui n'est pas de Dieu, une beauté de séduction, qui n'attire pas à sa chair, mais qui attire à son cœur, à son âme, à qu'elle est. Dans l'Église, l'outil la plus puissante pour attirer le monde, mes amis, n'est pas nos traités, n'est pas notre acte, n'est pas nos publicités. C'est vous. Vous êtes le message de Dieu. Vous portez ce message, vous rayonnez ce message. Alléluia. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut restaurer la femme. Il veut restaurer la dignité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aime trop, et on va terminer avec cela, j'aime trop cette histoire en Matthieu. Lorsque Jésus, la Bible, pardon, c'est dans tous les trois évangiles, mais je vous donne la référence rapidement, si je ne l'ai pas effacée. Marc, chapitre 12, 38, on ne va pas le lire, mais je vais juste faire une référence. Catherine, s'il te plaît. Juste une référence. Et Dieu, Jésus, il se met à côté du tronc du temple. C'était là où il réceptionnait les offrandes. Il regardait tous les hommes qui venaient, qui donnaient, qui mettaient, et puis les riches, et puis les autres. Et puis là, tout d'un coup, une femme s'approche, une veuve. Et Jésus regarde ce qu'elle met, deux petites pièces, qui valaient vraiment très, très, très peu, mes amis. C'était l'équivalent de quelques centimes. Et Jésus, il dit à ses disciples, cette femme a mis plus que tous les autres.
Puis-je vous dire quelque chose? Jésus n'était pas vraiment intéressé par la quantité. OK? Il n'était pas intéressé par la quantité. Il était intéressé par la qualité. Ce que ça représente. Et cette dame qui est une veuve, une vraie veuve, aucun soutien de la famille, son mari est mort, ses enfants sont soit morts ou vivent ailleurs ou ne sont plus là. En fait, une femme complètement délaissée par la société. Et Jésus a décidé de choisir une telle pour l'honorer. Parce que ce que Jésus a fait, alléluia, n'était pas juste de faire un calcul au niveau du cœur, mais il a renversé une malédiction sur la vie de cette femme. En disant publiquement, cette femme-là, regardez-la, elle a mis plus que tous les autres. Les paroles de Jésus ne sont jamais accidentelles. Lorsque Jésus ouvre sa bouche, c'est toujours avec une intention. Et je crois vraiment que cette femme, comme beaucoup de nos jours aujourd'hui, vivait sous une sorte d'opprobre. Une sorte d'esprit de rejet, de l'insignifiance. Il y a une sœur dans l'église, Blandine, qui, chaque fois qu'elle me voit, elle dit, « Oh, prince de Dieu !» Donc, je redonne la main, je dis, « Ah, princesse de Dieu !» C'est magnifique, ça. Tu vois, c'est magnifique. Et je crois que c'était en quelque sorte ce que Jésus a fait avec cette femme. Et je crois que c'est ça ce qu'il va faire aujourd'hui avec nos sœurs. Une parole peut briser ce joug de négatif, de mort. Je n'ai pas de valeur. Moi, je te dis, au nom de Jésus, tu as de la valeur. Et ta valeur n'est pas... Tu vois, on peut te remercier pour ce que tu fais, mais l'honneur est plus que ça. C'est une reconnaissance pour qui tu es. La valeur qui est en toi. On est ordonné par Dieu d'honorer nos mères, pas juste à leur remercier, mais les honorer. C'est différent. Parce que même si tu as eu une mère qui n'a pas fait grand-chose pour toi, tu peux toujours l'honorer. Et je dirais que c'est plus important pour toi de l'honorer que c'est important à elle d'être honorée. Nous devons être un peuple, notre appel est de devenir un peuple qui donne de l'honneur. Levez-vous s'il vous plaît. Et mes sœurs, pendant ce temps d'adoration, si je peux avoir toute l'équipe, je vous encourage vraiment à libérer ton cœur à Dieu. De laisser Dieu toucher le cœur profondément. Profondément. Aujourd'hui, c'est plus qu'une fête des mères. C'est une fête de l'honneur. Nous voulons honorer nos mères. Nous voulons honorer toutes les femmes. Écoutez-moi. Nous voulons honorer toutes nos sœurs en Christ. Que tu sois une maman, c'est-à-dire que tu as eu des enfants biologiques. Ou que simplement... Tu es une femme. Dieu est en train de restaurer le cœur. Écoutez-moi. Dieu est en train de restaurer le cœur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lever les mains devant le Seigneur? Alléluia. Papa, tu es là. Et maintenant, par le nom puissant de Jésus, nous déclarons que le cœur se libère de l'opprobre, de la honte, du rejet, du mépris, de toute pensée négative. Je vois même une ou deux ici. Et tu as eu des pensées de suicide récemment. Dieu est en train de te libérer de ces pensées de mort. Beaucoup, vous mettez le sourire sur le visage, mais
dans le cœur, il y a toujours cette peur d'être rejeté. Et Dieu est en train de te libérer de cette peur, car elle ne vient pas de lui. Tu es le chéri du ciel. Tu es le chéri du Père céleste. Et Dieu restaure le cœur. Et pendant ce temps d'adoration, je t'encourage, ma sœur, de vraiment apporter ton cœur vers le Père et laisse-le te toucher, te remplir, te rendre entière et satisfaite en lui. Adorons-le maintenant, tous ensemble. Hommes, femmes, adorons-le tous ensemble. Attire-moi, Seigneur, ce matin. Attire-moi.